avons une grande collaboration pour cette édition avec Africa 2020. Cette saison, nous avons réussi à maintenir l'essentiel, et en particulier le défi de la Biennale, qui est pour moi un symbole de coopération et de co-construction entre des artistes français et des artistes qui viennent de 22 pays d'Afrique et qui collaborent pour construire ensemble une proposition à des professionnels, mais surtout, quand il s'agit du défilé, avec des amateurs ou des jeunes professionnels français. On travaille depuis une semaine déjà avec les danseurs de formation ID et avec les danseurs de ma compagnie en une sorte d'avoir ou connaissance horizontale qui est beaucoup plus fluide au niveau de la communication et comment les savoirs et les informations se circulent entre eux. Donc, ce qu'on amène au Nigeria, ce n'est pas totalement nouveau pour eux. Ils sont déjà dans cette pratique de corps. Donc, pour nous, c'était vraiment facile, si je peux dire, parce qu'en 3 jours, on a fini le corps. Après, c'est juste des petites précisions à droite à gauche. La compagnie, c'est avant tout un grand collectif qui est né autour de l'idée de mettre des œuvres plastiques dans la rue, des œuvres monumentales, sortir des musées, sortir des galeries et investir l'espace public. Elle a beaucoup voyagé, on a un peu des amis un peu partout et notamment beaucoup en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. On a prévu de monter 3 tableaux. Dont on parle la liberté de la presse africaine. L'Afrique est intégrée, c'est parce qu'on était dans le cadre de Africa 2020 pour partager avec l'Europe et les autres continents notre savoir-faire, notre culture. C'est comme un souffle de vie, comme d'espoir, comme si c'était la continuité de mon histoire, de la vie par rapport à mon passé jusqu'à aujourd'hui, de participer à cette édition assez particulière. Je suis tellement fière parce que la vie même est un combat et c'est encore une fois un combat pour nous, pour toute l'équipe ainsi que moi, la marraine, de se donner la main et de se dire que c'était possible de continuer à promouvoir notre passion, notre art, de dire que malgré les difficultés, et on tient nos paroles, on se tient debout, on se donne main dans la main et on se dit on y va et on fait tout pour que cette année puisse être sauvée. Donc moi c'est juste un honneur pour moi, je suis très très fière. Voilà, d'être la marraine de cette édition spéciale surtout. Nous sommes vraiment très heureux de voir toute cette jeunesse remplie d'énergie. Vous allez vous lever. Allez! Allez, allez toucher 2000 lunes. Ha, ha. Et ti-ta-ta, ti-ta-ta-ta. Avancez, ti-ta-ta, ti-ta-ta-ta, ti-ta-ta. Et le plus grand temps fort de cette saison exceptionnelle, c'est bien évidemment le défilé de la Biennale de la Danse de Lyon, un projet auquel je réfléchis avec Dominique Hervieux et toutes ses équipes depuis septembre 2018. Le défilé représente l'essence même de cette saison, qui est intégralement co-construite entre des professionnels du continent africain ou de la diaspora récente en France et des professionnels de différents établissements français partenaires. J'ai versé une petite larme d'émotion, c'était beaucoup d'émotion. Beaucoup de générosité, beaucoup de joie de pouvoir enfin communier tous ensemble, le public, avec les artistes. Je vais repartir sur Paris demain avec des fleurs plein les yeux et des souvenirs inoubliables.